Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. Donc aujourd'hui, on a la joie et le plaisir de recevoir Evrard Zaouche, le directeur général du CGR de Nîmes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc aujourd'hui, autour de la table, nous avons Benoît Roig, le président de l'Université de Nîmes. Bonjour. Bonjour Yannick. Tout va bien? Impeccable. Tout se passe bien à l'université? Ça va, je crains la fin de l'émission avec le jeu parce que j'ai déjà perdu une fois. Donc. Très bien. Alors là, le jeu, effectivement, ne va pas être évident cette semaine, mais on va y arriver. Ensuite, à côté, on retrouve Tom Servière, étudiant en master humanité et des industries créatives. C'est ça. Effectivement. Bon, comment ça va, Tom? Ça va, super. On a eu la semaine dernière une cahute sur les assassins. Ouais. Super intéressant. Cette semaine, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, cette semaine, on a une émission spéciale sur l'histoire du paramédical, pendant laquelle on va recevoir du coup un ergothérapeute et un étudiant en ergothérapie. Donc, on va discuter un peu des disciplines, de comment elles ont évolué. Donc, ça devrait être une émission très sympa. Ouais, merci. Et tout à droite, on retrouve Nicolas Leroy, le vice-président administration, finances et relations internationales, et le présentateur de Le Roi de l'Histoire. Oui, bonjour Yannick. Bonjour Nicolas. Donc pas de Le Roi de l'Histoire ce soir, il me semble. Et non, ce soir, j'ai le plaisir de faire passer des oraux toute l'après-midi, donc pas d'émission ce soir. Donc la prochaine émission, ce sera la semaine prochaine, ouais. Sur les arts, la musique, sous l'Ancien Régime. Donc il va falloir qu'on en parle. Pourquoi pas le canal de Suez? La semaine d'après. Non, parce que j'ai assez patienté. Je pense que maintenant, ça suffit. Donc sur les arts la semaine prochaine et la semaine d'après le canal de Suez. Vous avez un invité la semaine prochaine? Oui, Maël Suchon qui est doctorant à Montpellier. Très bien, on attend ça avec impatience. On va commencer avec la première rubrique de l'émission, l'interview présidentielle. Trop de choses. Merci Eva d'être ici. Alors avant d'attaquer l'interview, je voudrais juste signaler que l'ensemble des participants à cette émission ne portent pas de masque, mais je voulais signaler que l'ensemble d'entre nous sommes vaccinés. Nous avons quand même notre gel hydroalcoolique et nous avons conservé les distances de sécurité qui nous permettent quand même d'éviter, en tout cas de rester dans les consignes sanitaires qui nous sont demandées. Ceci étant dit, Evrard, encore une fois, merci et mille merci d'être avec nous sur ce Vue du Nîmes. C'est un grand plaisir de te recevoir, ce tutoriel, parce qu'on se connaît quand même. Donc, on le répète, hein, Evrard est le directeur général du CGR de Nîmes, donc une salle de cinéma, un multiplex cinéma qui est derrière les arènes, la gare. Aussi les arènes. Et derrière les arènes, voilà. Et, alors, la première question hein, que je souhaitais te poser, c'est... tu as connu une longue période de fermeture. D'ailleurs, on pourra aussi discuter de comment ça t'a ressenti un petit peu, peut-être parfois avec injustice, le fait que les cinémas ont été fermés longtemps. Mais la première question, c'est comment se passe la reprise? Alors, la reprise, de façon bonjour à tous, oui, la reprise, comment elle se passe? De manière assez simple, puisque y a des films aujourd'hui qui sont... programmés uniquement, ce sont des films ou des films d'horreur, des films d'épouvante, des films, des mangas japonais, des films pour enfants. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à un public familial et un public d'adolescents. Ça va jusqu'à 17-18 ans, puisque la cause à la fermeture, donc, au couvre-feu à 21h, qui ne nous permettent pas donc, de pouvoir sortir encore les films familiaux, les films importants qu'on attend avec impatience et qui vont arriver de toute façon très vite. Mais malgré ça, la bonne surprise, c'est que ça marche très bien. Depuis le 19 mai que nous avons ouvert nos salles avec un couvre-feu d'abord à 21h, maintenant à 23h, on fait de belles entrées, on est quand même assez satisfait. Et donc, si on repart un petit peu sur ce qui s'est passé hein, durant cette pandémie, ce confinement, comment, en tant que directeur général d'un grand cinéma, dans lequel, il faut le dire aussi, tu as investi, hein, oui, tu es l'un des seuls sur la place nîmoise à avoir investi dans dans une franchise telle que celle-ci. Donc comment on vit l'arrêt de telle activité quand on a, des vies dedans, quand on voit son activité arrêtée autant de temps, alors qu'à côté on voit peut-être d'autres activités où la promiscuité était peut-être identique en fait, voire... Moins sécurisée qu'au cinéma, c'est en tout cas, c'est certain. Ben, comment on le vit d'abord, il faut savoir qu'en France, on a la chance quand même, on est beaucoup aidé. Donc on a eu beaucoup d'aide, soit sous forme de prêts de PGE, qui maintenant font partie de notre vie, des prêts garantis de l'État, soit par le chômage partiel. On a été, en France, on a la chance qu'on a été bien aidé. Après, bien sûr, ça ne comble absolument pas tous les problèmes et on a eu donc des pertes financières. Là, je parle du groupe, hein, je commence par le groupe CGR. Il y a eu des pertes dans tous les groupes énormes. Je crois qu'on est à plus de 270 millions d'euros de pertes dans le groupe. Malgré toutes les aides qu'on a eues, donc on a été contraint de faire un très gros PGE. Après, comment on l'a vécu? On va passer outre les injustices, parce que je pense qu'on aurait pu ouvrir bien avant, mais on ne pouvait pas, et je l'ai dit tout à l'heure dans la première question, je le répète là, c'est ce qui nous gêne le plus, ce n'est pas les jauges, parce qu'on a des jauges à, on a démarré avec des jauges à 35% et puis à 65% aujourd'hui, c'est le couvre-feu en fait. C'est qu'on ne peut pas faire assez de séances pour pouvoir sortir des films. C'est ça le vrai problème, c'est le couvre-feu. Donc on pouvait éventuellement ouvrir s'ils nous avaient donné l'autorisation de faire des 21h le couvre-feu, mais la dernière séance à 21h, c'est-à-dire que nos clients pouvaient sortir jusqu'à 23h avec le ticket faisant foi. Ça nous a été refusé, donc on ne pouvait pas ouvrir. Donc de toute manière, même si on avait eu la possibilité d'eux, on n'aurait pas pu ouvrir parce qu'il manque de films. C'est paradoxal avec ce qui va se passer par la suite, mais dans cette période-là, on aurait eu un manque de films importants. Donc c'était compliqué. Et le vrai problème pour nous, cette longue fermeture, plus de 200 jours, hein, il faut le savoir, parce qu'on a fermé le 29 octobre, et on a rouvert le 19 mai, c'est très très long, c'est jamais arrivé, même pendant la guerre, c'est jamais arrivé que le cinéma y ferme. Le vrai danger, le vrai problème pour nous, ça a été le boom des plateformes, et je ne parle pas de Netflix, qui était là avant, je parle de ce qui est venu pendant le confinement, c'est-à-dire Disney, la Disney+, et maintenant Amazon qui a racheté MGM, et Warner avec HBO. Donc cette puissance qu'on gagnait, et ce gain de temps qu'on leur a donné grâce à ce confinement, c'est ça qui nous inquiétait le plus. Oui. Oui, on a eu peur. On a eu peur que les films sortent sur les plateformes et non plus... C'était tentant, hein, parce qu'ils mettaient beaucoup d'argent. Hein. Vous savez que tous les films... James Bond, pour parler de celui-là, a reçu des offres énormes pour sortir sur les plateformes, notamment sur Amazon, mais énormes. Et il a fallu vraiment que l'exploitation, les distributeurs, les producteurs et les ayants droit soient unis et empêche ce genre d'évasion de films qui aurait été très grave pour le cinéma. Au final, alors, je suis moins, enfin, je suis un petit peu à l'activité, mais à part Wonder Woman 84 et Mulan, oui, alors, qui sont sortis sur plateforme, ça c'était négocié. Donc, il y en a eu d'autres après. Il y a eu quelques films français comme Forte, il y a eu quelques films qui sont sortis, mais ça a été négocié en fait. Et il faut savoir qu'on a... Pour notre reprise, on a accepté de ressortir, par exemple, l'exemple c'est 30 jours max, voilà, c'est l'exemple parfait, 30 jours max, c'est sorti au cinéma, il a été coupé dans sa lancée, dans sa sortie, il est sorti sur une plateforme, mais on l'a ressorti au cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a suivi, en fait, il y a une déontologie qu'il faut respecter, il est d'abord sorti au cinéma. Par contre, tous les autres films qui sont sortis, qui voulaient après sortir au cinéma, on les a refusés. Parce qu'on refuse de sortir dans les salles, des films qui sont déjà sortis sur les plateformes, sans être passés par la case cinéma avant. Alors, en parlant de films, une question qu'en tout cas, moi je me suis posée, et que beaucoup de gens se posent, quand on a 200 jours d'arrêt, la production cinématographique a eu un arrêt, mais a très rapidement repris. Des films ont dû s'entasser. Comment on fait quand on est directeur, avec un nombre de salles limité par rapport à un nombre d'horaires limité? Comment on fait pour faire une sélection de ce qu'on va, projeter et proposer à nos clients. Alors, il faut savoir que le cinéma, c'est une grande famille. Hein, et dans toutes les familles, il y a, les proches et les lointains. Donc, nous, on est l'exploitation. Donc, on est, j'aime à le dire, le maillon, le dernier maillon de la chaîne, mais le plus important, puisque c'est nous où on diffuse l'œuvre finie, quoi. Donc, ça passe par les producteurs, par l'écriture, par le scénario, par la production, par la réalisation, et par la distribution, et par la programmation et enfin par l'exploitation. Donc il y a beaucoup la vie d'un film est très longue. Et le dernier maillon, c'est quand on présente l'œuvre, le bébé, quand il sort, quand il accouche, on le présente au cinéma et c'est là où il a sa carrière qu'il doit avoir en fonction du résultat et des entrées, hein, puisque... Oui, en France, on a une particularité, je referme, on parle en entrée. On parle pas, ça fait peur, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Dans le reste du monde, on parle en millions de dollars. Quand vous regardez au box-office US, Espagne, Italie, on dit il a fait tant de millions d'euros ou de dollars. En France, on dit il a fait 20 000, 5 000 millions d'entrées. Voilà, on parle en entrée. Donc, des fois, vous allez m'entendre parler en dollars ou en euros, et d'autres fois, sur quand c'est les films qui sont sortis en France, on parlera en entrée. Donc, c'est très important de pouvoir sortir les films. Et pendant ce confinement, la réalisation de films et la production de films n'a pas arrêté. Donc les films ont continué à tourner, les films ont continué à se faire, les projets ont continué à se réaliser. Et c'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre avant la reprise, de dire qu'est-ce qu'on va en faire tous ces films. On parle de plus de 400 films sur les étrangères. Je suis d'accord. Il y a du film, mais si vous voulez, il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Donc les films vont prendre leur place, et comme dans la vie normale, la vie des films, donc seuls les plus puissants restaurants les plus puissants, ce ne sont pas un nombre de ce qu'il a coûté la réalisation, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est ceux qui font le plus d'entrées. Mais oui, il y aura une très grosse programmation à partir du mois de juin, jusqu'à la fin d'année en tout cas, on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, ça va être énorme. Justement, j'allais y venir. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Alors, c'est vrai que là, on est peut-être un peu... La reprise est lente, et puis on n'a pas forcément, une fois, des affiches, des grosses affiches, parce qu'on entend, des noms. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui nous attend là, dans les prochains mois, surtout au mois de juillet, je suppose, juillet-août. Hein, juillet-août, on va parler de juillet-août, après les gros... D'ici la fin de l'année, les gros films entre guillemets, sont déjà datés. Mais déjà sur juillet-août, on va démarrer que le 30 juillet, le 30 juin, c'est la fête du cinéma. Donc officiellement, le 30 juin, on est libre. Hein. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de couvre-feu. Tout devrait aller bien dans le meilleur du monde. Donc on est à plus de 30 millions maintenant de vaccinés. On sera à 35 ou 40 fin juin, donc tout va bien. On devrait pouvoir vivre un peu plus normalement. Donc, et c'est là que, pour fêter ce retour à la vie normale, on a calé la fête. Enfin, la Fédération française du cinéma a calé la fête du cinéma, qui démarre donc du mercredi 30 au dimanche 4 juillet. Donc ça, c'est un cinéma à 4 €. Donc c'est ce qui va lancer le... Et il y a le Cannes qui suit derrière, mais ça va lancer véritablement la saison cinématographique, la reprise de la saison cinématographique. Donc il va arriver de suite dans la foulée, il va arriver donc, dès le 5 ou le 6, il va arriver Black Window, le manga qu'on attendait, qui a été lui aussi, on en a parlé beaucoup sur les plateformes, mais bon, il a tenu bon. Enfin, il a tenu bon. On a quand même forcé pour que ça tienne bon. Donc on a Black Window qui sort, et puis il y a le Festival de Cannes qui démarre, donc avec un film de Léo Carax qui s'appelle Annette, qui va faire l'ouverture du Festival de Cannes, donc le 6 juillet, le 7 il y a Black Window, le 9 il y a Benedetta, c'est le nouveau Paul Verhoeven, celui qui a fait Basic Instinct. Pour les plus jeunes, vous avez dû le voir en DVD ou sur des films, mais c'est un film qui est également sulfureux, donc généralement ça attire beaucoup de monde aussi. Celui-là, il sort le vendredi 9. Et puis après, il y a Fast and Furious qui arrive. Il est présenté d'ailleurs à Cannes, pendant hors compétition, il est présenté à Cannes pendant le Festival de Cannes, ça va un peu faire booster cette programmation qui est assez intimiste, ça va le booster avec Fast and Furious, qui s'annonce très puissant. Hein. Il a de très bons échos, de très bons démarrages dans les pays où il est sorti. Ça va être, il est annoncé comme quelque chose de très important en matière d'entrée. Donc là, on est sur le 14 juillet, hein, ça va être un feu d'artifice. Le 21 démarre les grosses productions françaises avec Kaamelott. Kaamelott, le film, hein, Astier, enfin, il nous sort. Lui aussi, il a eu beaucoup de propositions. Il a tenu bon. Les Français ont joué le jeu, hein, quand même, hein, il faut le savoir. Les réalisateurs français ont joué le jeu avec nous et on leur rendra bien l'appareil le moment venu. Que les exploitants leur rendront bien l'appareil parce qu'on essaiera de mettre leur film le plus longtemps possible et le mieux exposé possible. Donc sur juillet, on est déjà à 4-5 gros films. Il y a d'autres films qui sont dits moins importants comme Old, qui est, excusez-moi ma prononciation, mais celui qui a réalisé, je ne dirais pas son nom parce que j'arrive jamais à le dire, qui a réalisé le 6e sens, là, l'Indien. Voilà, ouais. Merci. Donc c'est un film un peu dans les veines de 6e sens, un peu horreur, enfin plutôt épouvante, qui nous va bien nous faire frissonner, ça s'annonçait aussi pour le 21 juillet. Et on a des films de moins importance, mais qu'on attend également avec importance sur le mois de juillet, donc ça fait beaucoup en juillet. Et en août, dès le début août, donc dès le 4 août, on a OSS 117, Jean Dujardin qui arrive, suivi de... Il y a Eiffel qui arrive le 18 août également, qui est très attendu. Et j'aime bien. Et Bac Nord, c'est le film, comme son nom le dit, Bac, puisque c'est la Bac, donc la police, hein, les flics en civil, et Nord, dans les quartiers nord de Marseille. Donc il s'annonce aussi percutant. Donc il y a déjà 3 gros films, et les Américains vont arriver d'ici peu pour combler les trous manquants au mois d'août. Mais on est déjà. On a Dune qui arrive au mois de septembre. On a James Bond le 6 octobre. Le 6 octobre, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est Top Gun, qui est daté au 21 novembre, pardon. Les Tuches 4 qui sont datés. Il fait toujours sourire ce film, mais c'est celui qui fait le plus d'entrées. Hein. C'est affolant. Les Tuches 4 qui sont au 4 décembre. Et puis, alors décembre, c'est la folie. On annonce la reprise de Spielberg de West Side Story. On impose Thor qui est là aussi, de Walt Disney. On est... Ouais. Voilà, je vous ai dit, et cette liste n'est pas exhaustive du tout, puisqu'il y a énormément. Je vous ai dit les dates qui sont aujourd'hui arrêtées et que nous, on a déjà programmé, mais ça risque de. Je pense que ça va évoluer énormément, même en termes de gros films, d'ici la fin de l'année. Ouais, une belle programmation. Alors, moi, j'ai des indiscrétions a priori sur certains films avec des belles animations qui se préparent au CGR. Oui. Alors, est-ce qu'on, ça serait bien d'en parler parce que. Alors, le CGR ne fait pas les choses de la même façon que les autres, hein, sur certains... tu l'as dit tout à l'heure, je suis le seul indépendant, puisque j'ai acheté 30% des parts de CGR Nîmes, pas du groupe, hein, CGR Nîmes, uniquement. C'est déjà beaucoup, donc oui, outre la difficulté pendant ce confinement, j'ai profité de ce confinement justement pour mettre en place énormément, dès la reprise, énormément d'opérations avec des partenaires qui ont répondu d'ores et déjà présents et qui vont répondre présents tout au long de ce mois d'ici la fin de l'année, parce qu'on on travaille déjà sur James Bond et sur Top Gun, donc on est loin déjà dans les avant-premières, dans les animations. Mais pour parler des plus proches, oui, on fait Jal qui vient présenter son film. Jal, c'est Louloucopter, hein, pour ceux qui ont du mal à le situer. Donc, il sort un film qui s'appelle Opération Portugal. On va faire une opération... personne ne voulait. L'avant-première ne voulait Jal le 19 juin. Pourquoi? Parce que c'était un samedi de première main, donc ce qui n'est pas gênant. Mais surtout parce qu'il y a la France qui joue à 15h, il y a l'Europe de football maintenant. Il y a le Portugal qui joue à 18h. Donc, ils se sont dit, oh là là... c'est un piège, et moi j'ai saisi l'opportunité en disant à la maison de distribution et à mon programmateur, je veux absolument le 19, parce qu'il y a l'équipe de France qui joue, et il y a le Portugal qui joue, donc autant faire toute une journée Portugal, quoi, autant en profiter. Et c'est ce qu'on a fait. On projette donc sur écran géant le film Portugal-Allemagne, enfin le film. Le match Portugal-Allemagne, il finit à 20h, c'est l'heure à laquelle on a daté, on a programmé l'avant-première à 20h15, à 20h30, on a programmé l'avant-première du film Opération Portugal, et Jal, donc on a la chance qu'il vienne après la diffusion du film, donc on pourra débattre d'un film qu'on a vu, c'est toujours plus facile qu'un film que l'on découvre, quand il vient avant, où on parle de films qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, on va faire une journée Portugal le 19 juin, voilà. Et on est déjà complet. Donc, c'est que ça, j'ai bien fait de le faire, c'est que ça a marché. On a une jauge à 200, parce qu'on est à 65%, il ne faut pas l'oublier. On a une jauge à 250, on a déjà rempli. Donc, le Sam après, avoir entendu aussi qu'il y a quelques opérations sur Cannes, sur Fast and Furious, sur Camelot. Parlons des grosses opérations. Sans en dire trop, hein, parce qu'après, bien évidemment. Sans en dire trop, on va parler que des grosses opérations. Donc, on va faire une très grosse opération sur l'ouverture du Festival de Cannes. Donc, on l'avait fait il y a 2 ans, ça avait très très bien marché. On va le récidiver cette année. Donc, le 6 juillet, c'est l'ouverture du Festival de Cannes, c'est un mardi. Donc, le mardi 6 juillet, en espérant que l'équipe de France joue pas, parce que maintenant, il faut faire attention, puisque c'est ou le 6 vont en quart ou demi, je ne sais pas quand, c'est le 6 ou le 5 qui joue. Donc. Mais bon, s'ils jouent le 6, ben, tant pis. C'est quand même l'ouverture de Cannes, donc il faudra bien faire avec. Donc, on remet les conditions de Cannes à Nîmes, c'est-à-dire qu'on fait une allée de palmiers, tapis rouge, là, sur les marches qui mènent au cinéma. Donc, nos clients vont arriver... Ils seront accueillis par une nuée de photographes qui vont les prendre à la montée des marches. Ils seront, la tenue est demandée correcte, voire smoking s'ils veulent, avec plaisir. Donc ils vont monter dans les salles en se faisant photographier. Et puis à l'étage et dans l'eau, il y aura des photocolles pour immortaliser bien sûr ce moment-là. Ensuite, ils rentreront dans les salles où ils assisteront en direct à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Et on projettera Annette, qui est le film qui sera projeté en même temps à Cannes. C'est le Léo Carras pour les initiés. Il n'a pas encore fait de véritablement gros film, mais c'est un grand réalisateur français. Et on espère que ce sera celui-là. Et à l'issue, il y aura un cocktail offert pour tous les participants. Voilà. Cannes à Nîmes. Cannes à Nîmes. Et ça va être. Oui, on a fait une première année. Ils avaient fait le buzz, donc on va récidiver ça donc, tous les ans. Et là, on la met en place. Donc ça, c'est le 6. Le 9 et le 10, on a une opération qui fait peu parler, parce que ça touche à la tauromachie, mais on s'en fout. Le 9, il y a Christophe Baratier, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait notamment Les Choristes, hein, pour le plus... Lui, par contre, c'est un film à succès. Donc il a fait les choristes, Christophe Baratier, et c'est un amoureux de tauromachie. On l'a vu, il a été interviewé la semaine dernière sur Mes Délivres, où il faisait part justement de son affiction. C'est ça, donc il adore, il faut respecter ceux qui aiment la tauromachie, mais bon, depuis il se fait insulter sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas aimer la corrida, ou alors caché. Donc, et il nous a proposé donc, une opération cinéma et campo taureau, qui n'est pas de la corrida, je le dis tout de suite, c'est pas la corrida, c'est du campo. Et donc on fait une avant-première, enfin une projection du film qui est sorti, qui s'appelle Envole-moi. Donc on fait une projection de ce film le vendredi, donc le 8 juillet, en présence donc, de Christophe Baratier, qui va parler de son film, qui va parler de cinéma, qui va parler donc aux clients présents dans la salle. Et le lendemain, à midi, ils présentent un court-métrage, non, je peux pas dire court-métrage, un documentaire, parce que ça dure 1h15, donc ils présentent un documentaire sur Dominguez. Alors, je ne l'ai pas connu, donc encore moins vous. C'est un documentaire, c'est un toréador qui a eu ses années de gloire d'après-guerre, dans les années 40. Et j'ai vu le documentaire, il est absolument formidable. Mais vraiment, hein, c'est un noir et blanc, il a tourné il y a 20 ans, c'est un très très beau documentaire. Il fait une masterclass à l'issue, et après, à 17h, tout le monde part à la Manade de Cuyer, donc où il va tourer sans mise à mort, il va tourer... et Christophe Baratier, qui est un joueur de guitare reconnu à l'époque, il jouait dans les orchestres philharmoniques et autres, il était très bon. Donc, pendant ce confinement, il s'est remis à la guitare, parce qu'il l'avait arrêté pour faire de la réalisation, ce qu'il a bien fait d'ailleurs. Et donc, il va l'accompagner, pendant qu'il tourait, il va l'accompagner à la guitare sèche, ça va être un moment... Voilà. Donc c'est une journée que j'ai accepté de faire, enfin, c'est un événement que j'ai accepté de faire parce que ça sort des sentiers battus, ça nous change un petit peu, ça reste dans le cinéma, mais ça nous change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et d'avoir Christophe Baratier, c'est un honneur et une joie de le recevoir, donc ça, ce sera deux belles opérations. Et puis on reviendra vite, le 14 juillet, c'est la sortie, il y a une avant-première, vous l'avez un scoop hein, sur Vue du Nîmes, vous l'avez. On a une avant-première qui ne devait pas être, parce qu'on avait dit oui, non, puis finalement ils acceptent de sortir ça le 13 juillet, donc à 19h et 22h. Donc il y a une avant-première de Fast and Furious 9, et là on va le fêter comme il se doit. Il ne faut pas en dire trop là, par contre. Je suis long, c'est ça. Mais vous ne parlez pas de cinéma, ça va être... Il ne faut pas en dire trop, sinon il va y avoir l'effet de surprise. Il va y avoir un événement autour des voitures, vous en doutez, oui. Sur le parvis, puisqu'on parle de Fast and Furious 9, donc j'en dirai pas plus, mais soyez présents, ça va être énorme. Et on finit, et j'arrêterai là, parce qu'il y en a bien d'autres, mais je vais arrêter là. Il y avait Kaamelott, bien sûr, parce que je suis un fan de Kaamelott. Et là, je vais recréer un village médiéval sur le parvis. Là, j'en dis plus, tant pis, parce qu'il y aura plein de surprises autour. On va recréer carrément un village médiéval sur le parvis qui va durer 2-3 jours. Je suis en train de discuter avec eux. Donc, et là, ils vont accompagner les gens dans... c'est burlesque, hein, Kaamelott, vous connaissez, donc c'est burlesque, c'est le cinéma d'Astier. Et après, on les amène jusqu'au cinéma. Là, on a recréé le trône du roi Arthur. Et ils pourront se prendre en photo sur le trône du roi Arthur. Et avant les projections, il y aura un combat, une animation, je n'ai pas plus ça sur scène, assez burlesque avec cette photo. Voilà, exactement. Moi, je m'arrête là, mais sinon, on peut continuer. C'est intéressant parce que c'est vrai que il y a le cinéma et il y a l'à côté. C'est vrai que animation, je suis là pour ça. Ce qui est proposé au CGR, il faut en parler parce que quand on ne va pas au CGR, on ne le voit pas forcément, mais c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir le dire. Merci de me laisser cette tribune. Non, c'est normal. Alors, j'avais une question qui est peut-être un peu plus délicate, mais bon. Allons-y. Une question qu'on... Moi, je me pose, et peut-être d'autres, en fait, quand il y a énormément de films, comment financièrement ça se passe, en fait? Est-ce qu'on achète un film Alors, je vais enlever le tabou. On achète, nous, exploitants, on n'achète aucun film. On signe des contrats avec tous les distributeurs qui, eux, ont les droits de films. On signe un contrat et on est à 50-50. Voilà. Ça veut dire que vous reversez 50% des entrées de la recette. De la recette. Voilà, 50% de la recette entrée est reversée aux distributeurs de films. Et 50%, on garde le cinéma pour le faire vivre. Voilà. D'accord, et ce méthode, ça reste toujours dans cette aspect financier parce qu'on en entend parler et tu le disais aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, ils disent ça rentrait tant. À quel moment, en fait, un film est considéré comme étant un succès? Alors, nous en France, c'est en termes de milliers d'entrées, voire millions d'entrées. Alors, oui. Il faut savoir que, je vais schématiser parce que c'est pas toujours pareil, mais il faut savoir qu'un film intimiste, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, petit film qui a les moyens, est un succès à 1 million d'entrées. D'accord. D'accord ? Entre 800 et 1 million, le distributeur est heureux, le producteur est heureux, tout le monde est content. Quand c'est un film, Annette dans les Cévennes par exemple, 1 million d'entrées, c'est parfait, c'est génial. Ensuite, quand on parle sur des films plus importants, on va parler de Eiffel, on va parler pas West 117, mais Eiffel en tout cas, là, ils visent 3 millions quand même, 3-4 millions d'entrées, on ne parle pas de dollars là, on est en France, 3-4 millions d'entrées. Et après, tous les gros films, c'est à partir de 6 à 10 millions d'entrées. D'accord. Après, les autres sont hors catégorie, hein, comme... Les films qui dépassent les 10 millions, comme Titanic, comme... il y en a tellement... on parlait tout à l'heure d'Astrid Mission de Cléopâtre, comme en film français, celui qui a dépassé, le dernier qui a fait de mémoire, ça doit être... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au bonnet, non? C'était pas celui-là Non, les ch'tis sont pas arrivés. Les tuches. Les tuches, il n'a pas dû arriver aux 10 millions. Il n'est pas loin, il est à 7-8. Non, je pense que c'est touchable. Ouais, intouchable plus près, intouchable à bien dépasser les 10 millions. Alors là, c'est hors catégorie. Hein. Quand ça dépasse les 10 millions, c'est qu'il se passe quelque chose que même nous, même les producteurs, même personne ne peut comprendre. Ouais. Titanic à 20 millions, personne ne comprend. Hein. Il a battu la Grande Vadrouille. Bon, personne ne comprend aussi la Grande Vadrouille. Mais, on ne comprend pas le Titanic à 20 millions. C'est un bon film, il dure quand même 3 heures, plus de 3h30. Et on connaît la fin, c'est ça qui est terrible. Ben oui, il n'y a aucun suspense. Le charme de DiCaprio, peut-être. Ouais, il n'était pas connu à l'époque. C'est là où il a connu Catwissé aussi, je préfère Catwissé. Mais, ouais. Mais on ne les connaissait pas, quoi. Ils sont vraiment exposés sur ce film-là. Et alors, vous, en termes, ça sera ma dernière question, Yannick, parce que on pourrait en parler des heures, mais vous, en tant que. Comment dire, distributeur, enfin, exploitant, pardon, le temps de parution, est-ce que vous le jaugez par rapport au nombre d'entrées que vous faites, ou c'est je prends un film, je le garde 15 jours, et quel que soit le nombre d'entrées, je passe à un autre, ou c'est 15 jours je dirais les deux, votre nom. On signe un contrat. C'est différent de. Maintenant, avec l'arrivée des multiplexes, que ce soit comme le nôtre, multiplex Centreville ou d'autres beaucoup plus grands, si vous voulez, avant on signait, on disait voilà, on avait au 1617 pour prendre celui-là, ou comme l'autre, on disait c'est 4,55. Impératif. Si tu veux le film, c'est 4,55. Donc c'était une obligation si on voulait le film. Peu importe, je dis bien peu importe les entrées que le film fait. Bon, on s'engageait par contrat. Maintenant, c'est fini. La multiplication des copies, si on peut appeler ça copie, puisqu'on reçoit maintenant. Disons que la multiplication de la facilité d'avoir des copies fait que on s'engage sur des semaines, mais on ne s'engage plus sur la salle et encore moins sur le nombre de séances. Donc c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. C'est nous qu'on choisit. Tiens, celui-là, là par exemple, on met Conjuring à la une. C'est évident même si on n'a pas signé la une. Voilà. Donc, et après, on n'a plus d'obligation de salle du tout pour aucun film. Fini. Maintenant, c'est nous qui défendons. Enfin, là, les distributeurs l'ont compris, puisque celui avec qui on signe les contrats, nous exploitants, ce sont les distributeurs. Les distributeurs travaillent avec les producteurs, ceux qui achètent, qui participent à la production du film. Donc, les distributeurs ont compris qu'on est là pour défendre le film, on n'est pas là pour se battre contre. Et donc, automatiquement, eh ben, ils savent que si leur film va cartonner, ben, ils sont dans la langue. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Et alors, vraiment dernière question, et parfois... Ça en fait des derniers. Oui, mais parce que chaque fois, un peu comme on avait, il faut dire aussi à nos... Comment on dit, webstaters? On dit viewers. Les viewers. Les viewers, pardon. Bonjour les viewers. Les viewers. En fait, bon, on a déjà échangé avec Evrard, mais voilà, il y a des questions où il y a des réponses, où il y a des interrogations dont il m'a déjà fait part, et il me semble intéressant de les partager avec tout le monde. C'est, il y a des films, par exemple, qu'on ne voit pas sur Nîmes, on les voit dans les grandes salles parisiennes, et en fait finalement, on ne les a pas en province, je veux dire comme ça. Et donc voilà, explique pourquoi il y a des films qu'on ne voit jamais. Il y en a déjà très peu, il n'y en a plus beaucoup maintenant parce que beaucoup de salles à Nîmes, donc il y en a très peu, et quand ça arrive, c'est pas de notre fait, c'est le fait, si vous savez, quand le distributeur dit voilà, je vais sortir ce film-là, il dit le nombre de copies qu'il fait. Et il y a des films qui sortent à 10, 15 copies. Hein. Il y en a des films qui sortent que Paris, il y a des films qui sortent une copie Paris, une copie Lyon, une copie Marseille, et puis c'est tout. Donc nous, on dépend du nombre de copies qui se distribuent en France. Et on commence à avoir... on est classé dans les 80e à peu près, donc dès qu'il y a 70-80 copies, on est présent. Donc c'est vraiment un paleté très large de sorties de films. Et effectivement, ça arrive qu'il y ait des impasses de films. Alors ça peut arriver qu'il y ait des films à 80 copies, 100 copies, mais là, ça regarde plus le cinéma fort à Nîmes, qui s'occupe plus de l'ARC. C'est lui qui... D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez qu'il a 6 salles et 42 films. C'est qu'il met une séance voilà. C'est pour pouvoir sortir du film, parce que contrairement à nous, lui, il en a énormément. Énormément de films. Alors, c'est pour ça qu'il fait des multi-séances. Les films, il les joue à midi et 16h, après il joue à 13h, mais il joue qu'une séance, voire deux, parce que ce sont des films difficiles, et c'est des films qu'il faut qu'ils sortent en salle, et nous on les sort pas. Nous, par exemple, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas l'habilitation de les sortir. Parce que pour sortir ces films-là, pour être bien précis et faire comprendre, des fois on me pose des questions, pourquoi j'aime pas ce film-là, pourquoi, notamment des films en VO. J'en profite, je vais être un peu plus long, désolé. C'est parce que c'est un point qui me touche. Là par contre ça me touche personnellement parce que on est considéré comme multiplex, mais on a 10 salles, 1800 fauteuils, donc on n'est pas un gros multiplex. Un gros multiplex c'est 12 salles, 3000 fauteuils. Après il y a les petits multiplex d'extérieur, comme nous, de 10 salles, 2000 fauteuils. Donc, ils sont considérés comme des cinémas d'extérieur. Et puis, il y a les cinémas comme le nôtre, qui sont entre 8 et 10 salles, et entre 1005 et 2000 fauteuils. Donc, on fait partie de cette génération de nouveaux multiplex, qui sont des multiplex du centre-ville. Et on se doit, de notre proximité du centre-ville, d'avoir une programmation plus large qu'un multiplex d'extérieur, qui est là pour sortir que du blockbuster. Ils ont mis une place de parking devant la porte, et en avant, et on sort et on y va et on fait du bourrage. Non mais c'est comme ça, hein, je dis ça sans aucune animosité, c'est comme ça que ça se passe. Et à Nîmes, j'ai du mal, bon, je suis arrivé en dernier, il faut que je me fasse la place entre les deux qui sont là, et c'est une grande famille, mais je suis le dernier né qui ne m'accepte pas trop. Hein. Donc ils essayent de retarder l'accouchement, ils ont essayé de retarder l'accouchement au maximum, je suis né, je suis là, et maintenant... on ne peut plus me bloquer sur les films importants, par contre on me bloque sur des films que je voudrais importants en VO et des films plus intimistes mais qui mériteraient de sortir dans des salles plus grandes en VO, quand ils ne sont pas français bien sûr, et là j'ai encore un blocage, j'ai encore du pain sur la planche, mais je vais y arriver. Mais je voudrais surtout dire aujourd'hui, et je profite parce que c'est des étudiants, si je n'ai pas certains films, pour donner une idée, Joker, c'est un film à voir en VO. C'est vraiment un film à voir en VO, mais c'est un film qui a été pris par le grand public. Et on nous a interdit, nous, de sortir des VO. Non mais, on nous l'a interdit, le distributeur de films, pour protéger le sémaphore. Moi, je ne devrais pas dire de non, mais protéger les films d'arrêt, c'est... Alors, eux l'ont sorti en VO, mais j'ai une... Et, bon, fort heureusement, devant notre... on a gueulé quand même... insistance. Voilà. Devant notre insistance très forte, ils ont accepté de nous donner des copies en VO, mais à partir de 15 jours de la sortie du film. Donc, ça va falloir 15 jours d'activité, seule la VO sur l'île. C'est une balle dans la tête quand on entend ça. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ces films-là. C'est parce qu'aujourd'hui, encore, on est sur des schémas. Tel film doit sortir à tel endroit. Tu es un multiplex, tu ne peux pas sortir sans VO. C'est. Ça ne gêne pas les gros, mais nous, ça nous gêne, parce qu'on se doit d'avoir une programmation plus large. Mais je vais y arriver, je vous garantis, je vais y arriver. En tout cas, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Encore une fois, un grand merci, Evrard, d'être venu, d'avoir répondu sans filtre, sans tabou. Okay. C'est toujours appréciable, et surtout, j'espère en tout cas que ça aura intéressé nos viewers. Et pas que. En tout cas, merci, et surtout, voilà, n'hésite pas à réagir sur les différents points que va nous proposer Yannick. Oui, après peut-être qu'il y a d'autres questions de la part des... Non, moi je trouvais ça super intéressant pour le coup, parce que en tant que grand amateur de cinéma, c'est vrai que des infos comme ça sur comment ça marche, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment passionnant. Oui, et je fais des interventions dans certaines classes de cinéma, et c'est vrai que les questions sont souvent les mêmes, c'est pour ça que je les ai un peu dit. Il faut y répondre, il faut expliquer certaines choses, même si ça n'est pas plaisir à tout le monde. Alors juste quand même pour signaler que dans le cadre de l'Université de Nîmes, hein, puisque c'est Vue du Nîmes, on a signé, ou on va signer très prochainement une convention avec Evrard et l'Université, et des ponts seront établis entre l'Université et le CGR. Les étudiants, j'en suis très fier. Voilà. Les étudiants pourront profiter de ce partenariat. C'était peut-être ça l'information. L'info d'ouverture avec quelques minutes de retard. C'est une bonne info. Moi, je voulais vous remercier. Je suis fidèle du CGR. J'aime beaucoup le cinéma et je vous félicite pour ce que vous avez fait. Je vous félicite aussi pour le restaurant, parce que je suis allé cette semaine d'ailleurs. C'est la première fois que j'y allais. Il est vraiment service. parfait. Et puis je trouve que c'est très bien de mettre de la vie sur cette place qui est jolie et qui est vide. Donc, mais il va y en avoir bientôt. Bon, tant mieux. Mais non, vraiment, c'est un très beau cinéma. Et puis, en effet, comme le disait Tom, c'est vraiment intéressant d'avoir ces infos. Moi, je ne savais pas, c'est une question que je voulais vous poser justement sur cette histoire de copies, lesquelles, comment on choisit, etc. Et votre programmation, j'ai eu l'occasion de voir des films qui étaient justement des films pas forcément évidents il y a quelques mois. C'était avant le confinement, les Exfiltrés par exemple, ou... Là, je suis allé voir Le Discours. C'est une comédie, mais bon, typiquement, elle n'était pas au sémaphore. Alors, je pensais qu'elle serait au sémaphore. Mais moi aussi, j'ai eu une bonne surprise. Elle était chez vous, et tant mieux, je suis venu chez vous. Mais voilà, il y a des choix qui sont faits, dont je vous félicite. Et vraiment, je suis... Et je reste un fidèle, je suis content de vous retrouver. Alors, j'aimerais... Je peux, oui. J'aimerais juste... souvent, on me dit, je suis venu, on était 3, on était 2, on était 5 dans la salle. Oui. Oui, ça arrive très souvent. Alors, il faut savoir que... C'est une question qu'on ne me pose pas souvent, mais que je dis. Le taux de remplissage d'un multiplex est de 20%. On fait notre chiffre avec 20% de taux de remplissage. Ça veut dire que quand on sait qu'on fait des complets sur des gros films, ça veut dire qu'il y a beaucoup de séances, parce qu'on tourne quand même, hein, quand on n'a pas les masques et le gel, on tournait à 5-6 séances par jour sur plusieurs salles et plusieurs multiplexes, ça fait beaucoup de séances. Donc il y a des séances, effectivement, où moi j'ai été voir hier La Caprice, très bien d'ailleurs, La Caprice, on était 3, et pas que des payants, puisque je ne payais pas. Mais je suis habitué, et certains sont très surpris du peu de... Mais c'est normal, c'est logique. Dans tous les cinémas de France, c'est comme ça. On n'est pas tout le temps avec 50-100 personnes dans la salle. Ce serait... Nous, on voudrait bien, hein, mais c'est pas possible. Voilà, je voulais juste expliquer cela parce que ça peut des fois paraître bizarre de se retrouver tout seul ou à deux dans une salle, mais ça arrive très fréquemment. Merci beaucoup. Non, mais c'était effectivement très enrichissant. J'ai appris plein de choses sur le fonctionnement des cinémas. Donc pour la suite, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions aussi sur le chat à les poster, on transmettra. On va passer à la prochaine rubrique qui sera assurée par Nicolas, donc c'est l'info du SUP. Alors, l'info du SUP, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va devenir d'actualité pour un certain nombre, puisque les examens sont en train de se... alors, la première session d'examen est terminée, donc on est en train de faire en ce moment la section de rattrapage, mais donc il y a un certain nombre d'étudiants déjà qui sont fixés sur l'année suivante. De la même manière, les néo-étudiants qui vont passer les dernières épreuves du bac ont déjà leurs affectations sur Parcoursup. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment on s'inscrit à l'université. Alors l'inscription à l'université de Nîmes pour cette année, elle sera intégralement dématérialisée, c'est-à-dire que tout va se faire à distance via le site de l'université. Donc je rappelle, hein, unimes.fr. Et donc il faut se connecter sur le site et c'est là, vous saurez un lien, il y a un lien indiqué clairement, inscription, vous pourrez vous inscrire. Alors, vous ne vous précipitez pas dessus parce que ce n'est pas ouvert, mais ce sera ouvert à partir du 7 juillet. Hein, on cale les choses sur les résultats du bac, en fait. Donc, les inscriptions seront ouvertes du 7 au 21 juillet sur une première période. Il y aura une deuxième période qui ouvrira à partir de la fin août, mais bon, le plus tôt est le mieux parce que plus tard vous allez vous inscrire, plus vous allez avoir de chances de rater les premiers événements. On n'a pas des événements aussi... spectaculaire sans doute qu'au CGR, mais on a quand même des événements festifs hein, qui sont prévus pour la pré-rentrée au début du mois de septembre. Et puis au-delà du caractère festif, il y a quand même pas mal d'informations qui sont données à ce moment-là, donc il vaut mieux quand même être inscrit, avoir tous les éléments qui sont nécessaires pour commencer son année dans les meilleures conditions. Donc inscription entre le 7 et le 21 juillet. Alors, pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut assez peu de documents, assez peu de documents de base, les documents d'identité bien sûr, votre numéro INE, l'identifiant national étudiant, et puis, un moyen de paiement, une carte bleue, puisque l'inscription se paye en ligne. Je vous rappelle que l'inscription à l'université, c'est aux alentours pour une licence de 150 €. Alors je vous rappelle également qu'il est impératif de payer au préalable, c'est un document qu'on va vous demander, de payer au préalable ce qu'on appelle la CEVEC, la cotisation de vie étudiante et de campus, qui ne se paie pas à l'université. C'est pas la CEVEC, c'est pas l'université qui l'encaisse, hein, c'est le CRUS. Donc il faut d'abord se connecter auprès du CRUS pour payer la CEVEC et ensuite vous vous inscrivez à l'université, parce qu'on va vous demander, quoi qu'il en soit, la preuve de paiement de la CVEC. Et donc cette inscription, c'est votre inscription administrative. Ce que je vous dis, ça vaut aussi bien pour des gens qui entrent à l'université de Nîmes en première année après avoir été validés par Parcoursup, ou sur une année supérieure, qui ont reçu une autorisation d'accès à la deuxième, troisième année, master, licence professionnelle, via une autre plateforme qui est e-candidat. Il faut savoir que e-candidat est encore ouvert pour quelques semaines, donc pour ceux qui veulent rentrer en deuxième, troisième année de licence, vous pouvez encore faire la demande. Pour les masters, licence professionnelle, maintenant c'est trop tard par contre. Mais bon, n'hésitez pas à le faire. Donc dans tous ces cas, c'est inscription dématérialisée. Idem également pour les redoublements et les réinscriptions. Donc quelqu'un qui redouble, qui est en première année de licence dans cette université, qui redouble sa première année de licence, vous n'avez pas besoin de repasser par Parcoursup. Vous vous réinscrivez dans la première année de licence. Si vous changez par contre d'avis, c'est-à-dire que vous avez redoublé une première année de psycho et vous décidez d'aller sur une première année de sciences de la vie, dans ce cas-là, par contre, il faut passer par Parcoursup. Un redoublement, c'est un redoublement dans la même formation. Ça peut pas être un redoublement dans une autre formation. Donc faites bien attention à ça. Parcoursup, on en a parlé la dernière fois. C'est, je vous l'ai dit, la phase principale est fermée maintenant, mais il y a une phase complémentaire qui ouvre là, incessamment sous peu, si elle n'a pas déjà ouvert. Enfin bon, c'est en ce moment que ça doit ouvrir, à la mi-juin. Donc vous pouvez candidater sur les formations où il reste de la place. Alors, le problème, c'est qu'à cette période de l'année, il n'y a plus forcément de place sur toutes les formations. Et donc voilà, je vous invite à vous connecter sur le site unim.fr, à regarder, toutes les infos sont données, hein, ce que je vous ai dit là, tout est rappelé et développé sur le site de l'université. Il y a un service à l'université à la scolarité pour répondre à vos questions. Il y a une adresse mail également qui est scolarité.inscription, inscription au pluriel, donc avec un S. Je préfère préciser le S parce que des fois les étudiants oublient que le S, le pluriel, ça va ensemble. @unim.fr, donc scolarité.inscription avec un S, @unim.fr, j'y arrive. Donc pour poser toutes questions, et il y a un numéro de téléphone également dédié pour répondre à vos questions. Alors pour ceux qui n'ont pas de connexion internet, qui n'ont pas de carte bleue ou ce genre de choses, ça peut arriver. Dans ce cas-là, contactez le service de la scolarité, on trouvera une solution. Bien sûr, pour vous inscrire à l'ancienne, en présentiel, c'est également tout à fait faisable. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les inscriptions. N'hésitez pas donc à vous rapprocher des services pour de plus amples, et du site pour de plus amples informations. Très bien, merci beaucoup Nicolas, et je vous rappelle, sur le site, c'est le petit rectangle bleu en haut à droite pour trouver la page des inscriptions. J'ai eu un peu de mal à le trouver tout à l'heure, on s'est un peu moqué de moi, alors qu'il est sur la première page. Bref, donc, Nicolas doit nous laisser juste après sa rubrique, donc merci beaucoup Nicolas pour ces infos sur les inscriptions. Désolé de vous abandonner et de ne pas participer au jeu. Je vais tout de suite aller torturer des étudiants. Très bien. On sait très bien comment ça se passe. On les a pas avec des mouchoirs à la sortie de la salle. Bah, ce que vous avez gardé de la dernière fois que je vous ai fait un oral, peut-être. Vous en avez encore des possible. C'est possible. C'est possible. J'ai encore... voilà. Je préfère pas en parler. Merci beaucoup, Nicolas. Très bien, donc voilà pour l'info du SUP avec des infos sur les inscriptions. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site web, il y a un numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va passer à la rubrique d'après qui est le Campus en parle, c'est Tom qui s'en charge. Alors oui, merci. Merci Annie. Donc du coup, le campus en parle cette semaine. Donc évidemment, c'est la fin. Enfin, on arrive sur la fin de l'année pour les étudiants qui passent en deuxième session. Comme l'a dit Monsieur Leroy, on arrive aussi sur la période d'inscription. Et du coup, cette semaine, j'avais envie de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au deuxième semestre en fait sur cette chaîne Twitch sur laquelle on diffuse actuellement. Donc on a créé assez récemment, mine de rien. On a l'impression qu'elle est là depuis un moment, mais elle est assez récente, et en fait je voulais revenir un peu sur les projets étudiants qui ont été menés, les émissions régulières, les petites choses qui se sont faites et qui sont un petit peu sympathiques. Donc oui, la chaîne, on l'a lancée avec une première qui a été très très visionnée et qui nous a tout de suite motivés. Il y a quelques émissions qui sont arrivées rapidement. Le Roi de l'Histoire, évidemment, bon, malheureusement, il n'y en aura pas ce soir. Donc si vous ne connaissez pas Le Roi de l'Histoire, allez voir ça, c'est absolument génial. Il y a les rediffusions qui sont disponibles. On a dans les émissions régulières aussi La Cahute, qui est franchement une super émission, on va pas se mentir. Donc voilà, qui est arrivée, même s'il n'y a pas eu tant d'émissions que ça au final, depuis la création de la chaîne. Mais derrière, il y a eu plein de petits projets ponctuels qui sont arrivés, qui se sont greffés. Donc on a eu plein de choses. On a eu la CED notamment, qui s'est déroulée en partie sur Twitch cette année. Donc la semaine suivante du développement durable, on a eu des petites présentations qui ont été faites, on a eu des conférences, on a eu des recettes de cuisine qui ont été données par un chef qui est venu. On a eu le qui a cuisiné en direct. Et qui a cuisiné en direct. Qui a cuisiné en direct. C'était très chouette d'être derrière la caméra ce jour-là d'ailleurs, parce qu'on a pu tout goûter. C'était vraiment top pour le coup. On a eu le concours d'éloquence de l'Assaut Droit qui s'est déroulé sur Twitch, qui a été rediffusé en partie à partir, il me semble que c'était à partir de la demi-finale. Non, je crois que même l'étape d'avant a été diffusée, mais pas en intégralité. C'est ouais. Ça. Mmh. Oui, donc on a eu la diffusion du concours d'éloquence qui s'est faite, qui a été un sujet qui a été très intéressant à suivre aussi. On a eu une Unisport avec la première compétition de jeux vidéo donc sur FIFA qui a été organisée par une Unisport qui a été un événement assez particulier aussi, hein. On n'avait pas l'habitude de voir ça à l'université, ça c'est sûr, qui était un événement très intéressant à suivre. On a eu récemment des étudiants de sciences qui ont rendu hommage à leurs professeurs dans une cérémonie de remise de prix qui s'appelait les Oscars, si je ne me trompe pas, petit jeu de mots très sympathique ma foi. Et en fait, les projets étudiants continuent. On en a déjà qui sont en train de se mettre en place pour l'an prochain. On a eu la semaine dernière la diffusion d'un entretien avec Amour Solitaire, donc avec une influenceuse sur Instagram qui a un compte très très populaire, qui a sorti des livres et qui a été interviewée par des étudiantes de LMA, de licence donc lettres modernes appliquées, exactement, des étudiantes de deuxième année qui avaient pu travailler sur son compte Instagram. Et qui du coup ont pu l'interviewer, elles ont pu discuter de ce que c'était aujourd'hui, que voilà, comment elle gérait son compte Instagram, comment est-ce que elle, dans son contenu, elle faisait de la narration, elle faisait de la littérature en fait, en diffusant des extraits de conversations amoureuses par SMS. Donc c'était super intéressant. Donc voilà, plein de belles choses sur cette chaîne, plein de belles choses qui vont arriver l'année prochaine. On espère pouvoir faire encore mieux, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, comme disait un grand homme, évidemment. Et donc voilà, les contenus vont continuer pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. On espère que les gens qui regardent seront toujours présents, toujours au rendez-vous, autant sur les contenus réguliers que sur les contenus ponctuels. Dans tous les cas, nous on essaye toujours de s'améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, pouvoir faire une émission comme Vue du Nîmes avec un niveau de qualité qui est quand même vachement élevé par rapport à certaines émissions qui ont été un petit peu plus compliqué qu'on a pu faire, je pense à la KQ notamment, où il y a eu des petits couacs techniques assez réguliers, c'est vraiment très sympa. Et une fois que l'année sera finie, une fois que vous en aurez un petit peu marre peut-être de regarder Twitch devant vos ordinateurs, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus nos ordinateurs cette année, peut-être un petit peu trop, il y a de quoi sortir, il y a de quoi faire des choses. Alors évidemment, la réouverture des bars, des restaurants, les étudiants, je leur fais confiance, ils connaissent déjà, ils en ont déjà profité. Mais un petit truc qui arrive dans pas longtemps, un gros truc même qui arrive dans pas longtemps, c'est le festival de Nîmes, donc le festival de musique qui va finalement avoir lieu. Alors malheureusement, tous les concerts ne pourront pas avoir lieu, il y a des concerts qui ont été reportés, il y a des concerts qui ont été annulés, il y a des concerts, on ne sait pas encore, ils se feront peut-être, mais pas cette année. Donc voilà, et il y a des concerts qui sont maintenus quand même. Donc si jamais vous êtes intéressé par le festival de Nîmes, je vous invite à aller sur le site directement, voir les concerts qui ont été maintenus. Si jamais vous avez des concerts que vous vouliez voir s'ils sont repoussés à plus tard dans l'été, si peut-être ils se feront un jour ou s'ils se feront jamais. Malheureusement, c'est le cas de certains. Moi en tout cas, personnellement, j'attends avec impatience la date du concert de Gorillaz que je compte aller voir depuis un petit moment maintenant. Et voilà, donc pas grand chose cette semaine sur le campus en parle. Évidemment, je tiens quand même à notifier que pour les étudiants, Unimenform est toujours là. S'ils veulent aller faire une activité physique dans un cadre tout à fait sympathique, bah, c'est le moment, n'hésitez pas à en profiter. Et puis voilà, pour cette semaine, j'avais pas grand chose à dire, je vais faire une petite rétrospective et puis encourager les gens à profiter de la fin de l'année continuez à suivre les émissions sur Twitch si ça vous plaît, profitez un petit peu de la réouverture et puis profitez d'un repos, je pense, bien mérité après une année qui n'a pas toujours été évidente. Voilà. Eh bien, merci Tom. Effectivement, ça a été une année un peu compliquée, là. La multiplication des écrans aussi, c'est vrai qu'on a créé une chaîne Twitch pour en rajouter encore un petit peu. Donc, ça permettait aussi de sortir en restant à la maison et de voir un petit peu autre chose et de permettre à nos étudiants d'avoir un moyen d'expression aussi. Donc ça a plutôt bien fonctionné sur pas mal de formats, mais on essaiera de faire encore mieux l'année prochaine autour de tout ça. Alors moi je vais avoir quelques infos aussi à vous donner sur l'établissement, donc on va lancer la rubrique Nîmes Actu. Alors, Nîmes Actu, j'ai deux infos principales à vous donner aujourd'hui. Donc, une info très très interne qui va concerner les personnels et en partie les étudiants de l'université. On a notre service SUAPS avec les STAPS, puisque tout ça est un peu mélangé aujourd'hui, qui propose des séances de fit-ping les mardis, jeudi midi et le samedi matin. Donc c'est en fait une activité sportive autour du ping-pong, autour du tennis de table, pardon Olivier, j'ai dit ping-pong, je suis désolé, je ne referai plus. Donc autour du tennis de table, donc en fait c'est une activité, j'ai appelé Olivier Skenadji hier qui m'a un petit peu expliqué comment ça se passait et ce qu'on peut en retenir. Donc c'est un bon compromis entre une activité ludique et une activité physique, il n'y a aucun caractère compétitif, donc on joue au ping-pong, au tennis de table aussi. J'ai dit que je le ferais plus, ça a duré 10 secondes. On joue au tennis de table, mais bon, il n'y a aucune notion de compétition. Donc il y a peu de monde pour le moment qui va, donc n'hésitez pas à y aller, il reste beaucoup de place, autant le mardi et le jeudi midi que le samedi matin. Donc c'est une activité qui permet de travailler l'équilibre, la précision, le renforcement musculaire, et autour donc de l'activité du tennis de table. N'hésitez pas à prendre un renseignement et à les rejoindre. Donc il y a des mails institutionnels qui sont partis hein, si vous cherchez les infos plus précisément. Sinon, contactez-les directement, c'est donc Olivier Skenadji qui s'en occupe. Voilà pour la première info. Ensuite, c'est quelque chose de complètement différent. Donc on a Nîmes s'illustre. C'est donc un événement qui va se dérouler, donc l'annonce maintenant parce que c'est encore dans un petit peu de temps. Donc ça va se dérouler à partir du 2 juillet, mais l'inauguration a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines sur l'université de Nîmes, enfin juste à côté, c'était au Puy-Couchou. Donc c'est un festival autour de l'illustration qui va avoir lieu autour de l'université de Nîmes. Donc on retrouvera des ateliers à la bibliothèque Jean-Dormeçon, au lavoir du Puy-Couchou, au musée du Vieux-Nîmes et au sein des locaux de l'université, donc sur le site Vauban. Donc on va retrouver plein de professionnels de la discipline de l'illustration qui vont proposer des échanges avec le public sur ces thématiques-là. On aura la chronique du muséum par exemple, un événement qui s'appellera Entrer dans la foule, midi-minuit aussi, donc tout un ensemble d'événements qui seront accessibles à partir du 2 juillet. Donc voilà, c'était une info qu'on voulait vous donner. La billetterie est déjà ouverte, donc n'hésitez pas à aller réserver vos places, donc c'est dès le 2 juillet. Donc voilà pour cette chronique. Ensuite on a une dernière chronique de Tom qui est la Minute Geek qui nous est proposée, donc c'est tout de suite la Minute Geek pour partager. Alors oui, effectivement, cette semaine, j'ai quelques infos à vous donner. Alors la dernière fois, je vous avais parlé de la Zilane et de l'équipe de la team KQ, évidemment, que je soutenais, qui a réussi à gagner la compétition. Donc voilà, félicitations à eux, si jamais ils nous regardent. Oui, certainement. Félicitations à eux. Donc voilà, une compétition qui s'est déroulée, qui a été super sympa, plein de rebondissements, plein de choses très originales. Un tournoi de pétanque au milieu d'une compétition de jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on avait rarement vu. Ça a été un événement assez sympathique. Et là, cette semaine, encore un gros événement sur Twitch, évidemment, puisqu'on est sur l'E3. Alors l'E3, c'est l'Electronic Entertainment Exposition. C'est une énorme exposition autour du jeu vidéo qui se déroule chaque année à Los Angeles et qui est considérée comme l'un des très grands rendez-vous pour les joueurs dans l'année. En fait, voilà, il y en a quelques-uns. C'est probablement le plus gros et le plus attendu. Donc en fait le 3 c'est un espèce de marathon de conférences de différents éditeurs qui présentent leur carte de route, leurs jeux qui vont venir dans pas longtemps. Donc là aujourd'hui c'est le dernier jour de l'E3, on a déjà eu pas mal de conférences ce week-end, pas mal de choses qui ont été annoncées. Alors il y en a pour tous les goûts, il y a tout type de jeu, il y a eu du FPS, du Call of Duty qui a été annoncé, il y a eu du jeu indépendant, il y a eu plein de choses. Même dans les conférences c'est assez original, si jamais vous êtes intéressé, vous avez jamais vu une conférence de jeux vidéo un peu atypique, je vous invite à regarder la conférence de Devolver Digital, qui est un studio qui fait toujours des conférences très scénarisées avec tout qui part en vrille concrètement. Il y a du gore, il y a du n'importe quoi, c'est très très sympa à regarder. Et toujours des annonces donc qui arrivent. Moi personnellement, les annonces qui m'ont le plus marqué, c'est l'annonce de Wonderlands, qui va être un jeu dérivé de la saga Borderlands, donc une saga de jeu de tir à la première personne avec un aspect jeu de rôle qui a un humour complètement décalé et qui est super sympa à jouer. Donc Wonderlands qui est un jeu dérivé de cette saga. La sortie d'une compilation des jeux Phoenix Wright qui sont des jeux très appréciés, un jeu où en gros on doit résoudre des procès, on est un avocat. Ça va très vite, c'est très sympa. Vous en avez déjà, si vous traînez sur internet de temps en temps, vous avez déjà vu des images de Phoenix Wright peut-être sans même vous en rendre compte. Donc une compilation qui va sortir. Et l'événement moi que j'attends le plus, c'est ce soir à 17h30, le Nintendo Direct, les nouvelles annonces de Nintendo. On ne sait pas trop à quoi s'attendre forcément, puisque c'est Nintendo, il y a toujours des mystères. Peut-être, je l'espère, à l'annonce de Metroid Prime 4. En tout cas, ça on verra plus tard. Et sur Twitch, donc voilà, pour le 3 qui se terminera ce soir. On a aussi bientôt une annonce qui a eu lieu en fait à la fin de la Zilane, la Trackmania Cup. Donc la Trackmania Cup, c'est une autre compétition sur un jeu de voiture qui s'appelle Trackmania. Alors c'est pas un jeu de course classique, Trackmania, c'est-à-dire que c'est un jeu de course mais avec des cartes qui n'ont aucun sens, qui est très technique, très dur à maîtriser. Chaque année, Zerator, donc la même personne qui organise la Zilane Base Event, organise la Trackmania Cup. Donc cette année, ça se déroulera encore une fois sur Twitch, par équipe de 3, et ce sera un événement qui sera très sympa à suivre. Je vous en reparlerai sûrement dans un Vue du Nîmes. On voudra des pronos sur l'équipe gagnante. On voudra des pronos sur l'équipe gagnante. Les pronos sur l'équipe gagnante, je pense que je les ai déjà, puisqu'il paraît que Bren et Carl Junior seront dans la même équipe. Donc évidemment, Yannick, tu le sais, c'est une équipe qui promet. C'est ça, avec KQ, champion du monde, je crois, sur le jeu vidéo. Exactement, c'est ça. Donc effectivement, ils ont de bonnes chances. Voilà, il y a plein de choses. Après moi je suis pas très Trackmania, j'ai eu des expériences traumatisantes avec ce jeu, donc malheureusement j'y joue plus trop. Mais voilà. Et pour finir, comme la semaine dernière, j'avais quelques recommandations de chaînes YouTube sympas à regarder. Et puis je me suis dit pendant l'émission, on a parlé cinéma, je vais vous recommander un film quand même, parce que voilà. Donc des chaînes YouTube qui sont très sympas à regarder, je vais vous en conseiller 3. Donc la première c'est L'histoire nous le dira, c'est une chaîne qui est gérée par Laurent Turcot qui est un historien québécois et qui est une chaîne super sympa avec plein de vidéos sur des sujets très divers. Il travaille avec différents labos et en fait il sort des chroniques régulières. Il y a des sujets qui vont de chroniques, enfin de vidéos très longues où il y a faire le détail de tout un événement historique, par exemple des vidéos d'1 heure sur chaque année de la Seconde Guerre mondiale, comme des vidéos courtes d'10 minutes où il va présenter des sujets atypiques ou dont on ne se serait pas douté, par exemple le droit autour des abeilles au Moyen-Âge. C'est un rythme très sympa, un montage très agréable, en plus voilà, il présente très bien, c'est un professeur d'histoire, et si vous aimez évidemment l'accent québécois, c'est génial à regarder parce que voilà, il y a une ambiance très chill sur ces vidéos, personnellement je les apprécie énormément. Dans les autres recommandations que j'avais, il y a aussi Nexus 6. Alors Nexus 6 c'est une chaîne qui fait des chroniques de science-fiction, sur la science-fiction en général, donc des livres, des romans, des films, des jeux vidéo, des séries, mais qui a la particularité de faire ses chroniques dans un univers de science-fiction. C'est-à-dire que quand on suit Nexus 6, on suit les aventures du capitaine et de l'équipage du Nexus 6, qui est dans un vaisseau spatial, et le capitaine c'est un amateur de cinéma de 2019-2020, et du coup il fait des chroniques qu'il envoie dans le passé, où il nous parle de films, donc il y a des chroniques sur Predator, il y a des chroniques sur des thématiques comme le premier contact avec les extraterrestres, comme le post-apo. Et c'est des chroniques qui sont super dynamiques, hyper impressionnantes au niveau technique pour des vidéos qui sont sur YouTube. C'est fait dans le coin, ça vient d'Avignon. Donc du coup on supporte et on en profite. Ils viennent de sortir le trailer de leur prochain épisode qui va être le premier d'une trilogie, donc, qui est attendu depuis très longtemps puisqu'il y a eu un financement participatif. Donc voilà, à checker évidemment à la chaîne de Nexus 6. Et la dernière chaîne, on va revenir un peu sur le jeu vidéo, c'est la chaîne de SAVUN, S-A-V-U-N. Donc SAVUN, c'est un mec qui fait des chroniques sur des jeux vidéo, sur des films et sur des thématiques en général en fait. Il a plusieurs formats, les tests en carton, où il parle de jeux récents comme anciens. Alors c'est des chroniques qui vont à 1000 à l'heure, c'est un format qui est super agréable, un montage ultra dynamique, plein de références, ça part dans tous les sens, mais ça reste intéressant, bien construit et très drôle. Il y a des chroniques sur des nanars en fait, qu'il analyse avec toujours ce même humour, ce même montage. Il en a fait notamment sur Samurai Cop et Birdemic, qui sont deux films absolument fabuleux dans leur genre, on va dire. Il y a aussi des chroniques qui sont un peu plus, qui ressemblent plus à des essais, veille par exemple sur le vent dans les jeux vidéo, donc des chroniques qui sont un petit peu plus conceptuelles. Il y a plein de belles choses sur cette chaîne, donc voilà, c'est trois chaînes que je vous recommande si jamais vous êtes intéressé par ces thématiques, ou même si vous voulez juste découvrir des nouvelles chaînes sympas avec une bonne ambiance, un bon montage, pour passer des bons moments, c'est toujours sympa. Et enfin, on a parlé jeux vidéo, on a parlé cinéma, ça m'a fait penser à mon film préféré de tous les temps, qui est Scott Pilgrim de Edgar Wright, qui est un film très particulier, qui est une adaptation de mon comics préféré, Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. Donc je vous recommande vraiment ces deux œuvres, évidemment. En plus, il y a eu les 10 ans du film l'année dernière, il y a eu plein de gros événements, une ressortie du jeu vidéo qui a été adaptée du film. C'est un film dans lequel vous pouvez retrouver... C'est un film qui est très particulier, qui emprunte beaucoup à l'esthétique du jeu vidéo, à l'esthétique du manga, à l'esthétique du comics, qui a un scénario complètement tiré par les cheveux, mais qui est en fait un mélange entre un film d'action avec beaucoup de bagarres et une comédie romantique adolescente. C'est avec Michael Cera dans le rôle principal, qui avait joué dans Juno, donc il s'y connaît en comédie romantique. Et vous pouvez retrouver plein d'acteurs qui, assez étonnamment, ont été ou sont devenus des super-héros depuis. Dans ce film, vous avez Chris Evans, vous avez Brie Larson, vous avez des acteurs qui ont joué dans des séries DC, vous avez des acteurs qui ont joué dans des films Marvel. Il y a plein d'acteurs qu'on redécouvre un petit peu dans ce film. Il est super sympa, super agréable. Donc voilà, Scott Pilgrim, Edgar Wright, c'est une référence. En plus, il me semble qu'il y a un film d'Edgar Wright qui sort cette année. Donc ça vaut peut-être le coup de se replonger un peu dans sa filmographie. On attend Last Night in Soho avec impatience. Parce que c'est mon réalisateur préféré. Donc voilà pour cette minute geek, voilà, des petites recommandations. Je vois que sur le chat vous avez les liens. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis voilà pour moi. Et merci beaucoup Tom. Un commentaire d'Evrard peut-être sur cette recommandation. Ouais, il est très cinéphile, bravo. Ça fait de belles références. Oui. Et je... C'est lequel qui sort Last Night in Soho, il me semble. Last Night in Soho. Très bien. Je regarderai ça. On s'y intéressera. Oui. Bon, ben, il est temps de terminer cette émission par notre traditionnel et redouté jeu. Donc, on lance le Let's Play. Et merci, et donc je vais de suite balancer le président qui essaie de tricher en regardant mes notes. Voilà. J'ai pas de vue qui va me... Oui. Donc oui, parce que j'ai pas de carton, j'ai fait ça sur des feuilles et les réponses sont écrites, mais je les ai barrées avec mon stylo. Donc elles sont désormais illisibles. Alors, pour cette émission un peu particulière, j'ai décidé de vous préparer des questions. Donc ce sera chacun pour soi, on ne fera pas d'équipe cette semaine puisque vous êtes trois. Donc ce sera des questions sur le cinéma, en lien avec l'université, ou avec l'éducation de manière générale, donc l'université au cinéma. Donc il va falloir deviner, c'est pas la peine d'attendre la fin de la question, je vais poser les questions de manière assez lente, le premier qui a la bonne réponse marque le point. Première question, il faut deviner un film de 2002, un film français de Cédric Clapiche, dans le personnage principal est Xavier, qui est en échange Erasmus à Barcelone. L'auberge espagnole, Evrard, un point. Vous avez laissé le temps quand même, celui-là. Ah oui, Cédric Clapiche 2002. Vous avez laissé le temps quand même, j'ai pas voulu vous dire tout. Oui, mais bon, voilà, hein. Très bien. Un point pour le professionnel du cinéma. C'était pas dur. Non. Encore plus simple, normalement. Voilà. Mais plus ancien. Un film, encore, on cherche. C'est un film américain, cette fois-ci, de 1967. réalisé par Mike Nichols, adapté d'un roman du même titre. Le film commence lorsqu'un jeune de 21 ans, interprété par Dustin Hoffman, retourne chez ses parents à la fin de ses études. Il rencontre Madame Robinson, avec qui est une amie de ses parents et avec qui il vit une histoire. Par la suite, poussé par ses parents, qui ne sont pas au courant de cette histoire, il entame une idylle avec la fille de Madame Robinson. La bande originale est marquée par Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. C'est pas le titre du film. Je connais que la chanson, je connais pas le film. Évidemment. Oui, je l'ai. C'est... Je sais plus. Ah. Non, mais je l'ai. Attention. Parce que si on chante la chanson, on a le fond. Ah, Mrs. Robinson, mais, oui. Non, mais je l'ai. Ah. Je donne le titre en anglais, The Graduate. Non, mais je l'ai. Le lauréat. Le lauréat. Je l'avais depuis... Un film culte sur la période des études, les relations avec des femmes plus âgées. Voilà, il y a tout. Et Dustin Hoffman, tout jeune, mais alors extraordinaire, hein, ce film, bon, assez ancien, mais qu'on recommande fortement. 2-0-0, je dirais même. Peut-être on pourrait faire ça, sinon on fait... Ah, ça paraît équitable. On fait une équipe Tom, Benoît contre Evrard. J'enlève la barre. Surtout si c'est cinéma, donc... C'est université, cinéma. C'est université, quand même. Alors là, une question sur un acteur. On cherche un acteur donc, qui est le rôle principal du biopic Un homme d'exception, sorti en 2001, qui est réalisé par Ron Howard. Et il interprète le rôle de John Nash, un brillant économiste qui a élaboré la théorie des jeux en 1951. Il a été nommé aux Oscars pour ce rôle. Il ne l'obtient pas, mais il s'agit d'un acteur qui est oscarisé. Quelques indices supplémentaires, il est né en Nouvelle-Zélande en 1964. Ses films les plus connus sont Master and Commander et Gladiator. Ah oui, c'est Russell Crowe. Russell Crowe, yes. Donc un point pour l'équipe Université de Nîmes. Ce sera Université de Nîmes contre CGR, il reste 4 questions. Un film maintenant, donc c'est un film américain, sorti en 1989. On retrouve au casting Robin Williams. C'est le cercle des poètes, c'est pas 89, c'est 90. C'est 80 aux États-Unis. Ouais. Ah, 80. Ah, je vais avoir la date de 7 janvier. Le cercle des poètes disparu. C'est ça. C'est mon préféré. Ah, celui-là est joli. Et l'indice supplémentaire, c'était Au capitaine, mon capitaine, évidemment. Très bien. Alors là, on retrouve des films un peu plus récents. On cherche un film, encore une fois, une comédie dramatique française, écrite et réalisée par Thomas Lilti, sortie en 2018.